Salutations tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Dernièrement, je vous ai parlé du prochain remake de Resident Evil 2. Je vous ai fait part de ma hype et du fait que ça sent vraiment bon. Pourtant, j'ai quelques réserves, car si l'on sait certaines choses, il reste évidemment de grosses zones d'ombre. Si les idées montrées jusqu'ici par Capcom garantissent presque un jeu de qualité, seules, elles en feront un titre limite trop sage. Je pense que pimenter un peu la recette ne ferait pas de mal, et c'est pourquoi aujourd'hui je vous propose le fruit de mes réflexions visant à faire entrer cette nouvelle refonte vidéoludique dans l'histoire. Crimson Heads. Le remake du premier Resident Evil cherchait à surprendre les joueurs. Pour y parvenir, les concepteurs ont imaginé un nouveau genre de créature, les Crimson Heads. Si l'on élimine un zombie sans le décapiter ou l'incinérer, il continue de muter jusqu'à se relever. Il peut alors courir et attaquer avec ses griffes. Ainsi, chaque mort-vivant implique potentiellement deux affrontements avec ce que ça suppose en termes de ressources consommées. C'était l'une des excellentes idées du jeu. Ils sont d'ailleurs réapparus dans Resident Evil The Umbrella Chronicles, prouvant par là leur intégration définitive à la saga. À l'heure du remake du deuxième opus, attendre leur retour tient de la logique. Seulement, les Crimson Heads n'ont toujours pas daigné se montrer. Il reste donc à espérer qu'il figure bien au casting, sans quoi Capcom se priverait d'un atout et inscrirait sa licence dans l'incohérence scénaristique. Avouez que ce serait dommage. Évolution d'une mutation. La saga a connu de nombreux spin-offs, parmi lesquels un certain Resident Evil Outbreak qui introduisait un monstre inédit, le Suspendu, qui présente quelques similitudes avec le Crimson Head. En effet, le guide de stratégie officiel du jeu nous apprend qu'il s'agit d'un stade d'évolution intermédiaire entre le zombie classique et le liqueur, sans parler de leur épiderme écarlate et de leurs griffes. De là à considérer le Crimson Head comme le chaînon manquant entre le zombie et le suspendu, il n'y a qu'un pas. C'est pourquoi je propose l'idée suivante. Tout zombie tué par le joueur sans être décapité ou brûlé revient sous la forme d'un Crimson Head. S'il n'est pas tué à nouveau, il mute en suspendu qui, s'il n'est pas éliminé à son tour, évolue en liqueur qui s'opposera au personnage à la fin. Cela remettrait au goût du jour un rapport cause-conséquence qui, bien que faisant partie de l'ADN de la série, n'a été que peu utilisé en dehors de Révélation 2, et ferait rentrer le titre dans le cercle très fermé des jeux exploitant vraiment l'écoulement du temps. Contenu inédit. Je disais dans ma vidéo précédente que, pour satisfaire pleinement, Resident Evil 2 Remake devait être à son jeu d'origine ce que Rebirth fut à l'opus fondateur, et quelle meilleure façon d'y arriver que de réitérer les ajouts de l'époque. La refonte de 2002 avait approfondi le background, notamment en ce qui concerne l'architecte du manoir Spencer, George Trevor et sa famille. L'occasion est trop belle pour ne pas développer davantage quelques intrigues, comme celle de la famille Birkin, la mission d'Ada, et pourquoi pas accroître l'importance d'Irons, l'un des antagonistes exclusifs à cet épisode. Il serait également intéressant de rétablir des idées abandonnées avec Resident Evil 1.5, le brouillon du deuxième opus. Par exemple, cette scène où Roy, un policier blessé et sur le point de se changer en zombie, demande à l'allié du joueur, John, de l'achever. Ne vous laissez pas abuser par le manque d'animation, je rappelle que cette version n'a jamais été terminée. Eh bien, je trouve que ponctuer le titre avec ce genre d'événement serait un plus appréciable. Mais on pourrait étendre le spectre des nouveautés au bestiaire. Rebirth avait en son temps introduit une créature inédite en adéquation totale avec l'évolution scénaristique de l'œuvre. Il s'agissait de Lisa Trevor, monstre invulnérable à l'histoire tragique. Évidemment, concernant Resident Evil 2, il ne s'agirait pas de singer bêtement ce qui a été fait précédemment, l'intérêt n'en serait que limité. En revanche, intégrer de nouveaux types d'adversaires serait parfait pour surprendre les joueurs et redistribuer les cartes de la survie en milieu hostile. Et je ne serais pas contre un boss exclusif. Les gorilles oubliés de Resident Evil 1.5 seraient peut-être de bons candidats. Toutefois, j'aimerais que l'on revienne un peu sur le liqueur. Si Resident Evil 2 a introduit cette charmante bestiole dans la série, c'était principalement pour en remplacer deux autres issues du premier opus, à savoir le Hunter et la Chimère. Le liqueur a d'ailleurs hérité de certaines de leurs caractéristiques, puisqu'il peut s'accrocher au plafond et faire de puissants bonds. Cependant, les Hunters disposaient d'une faculté redoutable appelée décapitation qui, vous vous en doutez,
n'est pas recommandé par les médecins. Car le système de santé des anciens Resident Evil fonctionne par paliers plus ou moins visibles selon les épisodes. Et il se trouve que dès que vous avez perdu un quart de votre vie, même si tout a l'air d'aller bien et que rien ne vous le signale, vous changez de palier et devenez alors sensible aux attaques dites éclairs ou foudroyantes qui vous tuent en un coup. Et c'est ce qui rend le Hunter si dangereux. Tout va bien, et l'instant d'après, vous vous retrouvez avec une coupe de cheveux façon Louis XVI. Seulement, le Licker ne dispose pas d'une telle attaque. De fait, les affrontements avec lui demeurent assez sereins. J'aimerais donc que l'on corrige ce problème en lui permettant d'empaler le joueur avec sa langue si la santé de ce dernier descend sous la barre des 75%. Voilà qui pimenterait un peu les choses. Et si en plus on pouvait reprendre l'idée de Outbreak, qui consiste à les faire fuir devant une source de bruit trop fort, comme une alarme à incendie, on obtiendrait avec eux des confrontations de toute beauté. La difficulté. La licence Resident Evil s'est toujours démarquée par son exploitation de la difficulté, et on peut s'attendre à un véritable best-of de ce côté-là. On sait qu'il y aura plusieurs modes et que la difficulté sera adaptative, comme dans Resident Evil 4. Autrement dit, si vous roulez sur le jeu, celui-ci vous résistera, mais si vous peinez, il lèvera le pied. Cependant, implémenter de vraies variantes selon le niveau choisi ne serait pas de refus. Outre une raréfaction des ressources, une augmentation du nombre d'ennemis ainsi qu'une modification de leur emplacement dans les modes les plus élevés, on peut espérer que quelques petits événements diffèrent, comme un combat en cinématique qui deviendrait jouable par exemple. On sait également que si les rubans encreurs sont de retour, ils ne figurent pas dans la démo. De là à supposer une sauvegarde infinie en facile et limitée en difficile, il n'y a qu'un autre pas. Et bien sûr, je ne peux terminer sans évoquer le passage lié à Brad Vickers, le pilote des Stars. Si l'on jouait en difficulté normale et atteignait le commissariat sans rien ramasser, le zombie de Brad apparaissait. Bien plus résistant que les autres, on pouvait récupérer une clé sur son cadavre qui ouvrait un casier contenant un nouveau costume pour nos protagonistes ainsi qu'une arme inédite pour Claire. Bien sûr, il est à prévoir que cet élément disparaisse du remake, car à l'époque, il créait une incohérence avec Resident Evil 3. Et puisqu'il est fort probable que Capcom nous réserve une refonte de ce jeu dans les années à venir, bref, on verra bien. Et voilà, nous avons fait le tour des ajouts que j'avais en tête pour ce prochain épisode. Je sais bien que certains semblent un peu loufoques et sont particulièrement ambitieux, mais justement, c'est parce qu'ils le sont que l'on doit essayer de les implémenter. Déjà, ils sont tout à fait réalisables pour peu qu'on développe le jeu dans ce sens, et en plus, cela éviterait au titre de sombrer lui aussi dans les affres d'une standardisation de plus en plus sensible. Et puisque la licence Resident Evil se prête fort bien à la différence, il serait criminel de ne pas l'exploiter. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode, merci à vous de l'avoir suivi. Si vous aussi vous avez des idées que le jeu pourrait porter, n'hésitez pas à me les faire connaître dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un like et à la partager, histoire d'aider la chaîne à se développer. Vous pouvez également soutenir mon travail via ma page Tipeee. Je suis aussi sur Facebook, Twitter et Discord, pour ceux que ça intéresse, tous les liens sont dans la description. D'ici à ce qu'on se retrouve, je vous dis portez-vous bien, à la prochaine, jouez bien, ciao.